Recoucou la team, donc j'ai fini l'album, il manque plus que la couverture à faire. Donc voilà comment il se présente. Voilà, c'est un album simple hein, avec enveloppe, mais il y a quand même beaucoup de. Enfin, c'est quand même assez long à faire. Voilà. Donc à la fin, les dernières pages, je les ai fait comme ceci, avec ça de cette couleur-là pour changer. Et avec ça. Voilà. Donc maintenant, il va nous manquer en fait la page de couverture. Donc moi, en page de couverture, je voulais mettre ce que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, pour celles qui ont suivi les vidéos depuis le départ. Si je retrouve. Bidibidi. Voilà. Donc moi, en page de couverture, je voulais mettre ça. Voilà. Et pour la page arrière, je vais mettre. Il ne me reste plus grand-chose. Hein. En même temps, il me reste ça. Ça. Voilà, je pense que je vais mettre ça. Mais il me reste pas de rose de toute façon. Tout le rose je vais utiliser. Là c'est bleu. Après j'ai ça. Bon, je pense que je vais mettre celui-là. Il y a de la dentelle un peu dessus. Donc je trouve que ça va à peu près. Donc là c'est le bazar. Donc du coup il y aura ça qui va être soit ici, soit là. Je ne sais pas encore. Et donc derrière ça va être je pense plutôt comme ceci. Voilà, et là, mettre quelque chose. Alors déjà, avant toute chose, là, je vais recouvrir avec du papier. Alors, avec du cardstock, je sais pas encore. Je sais pas si je prendrais pas du noir pour faire la couverture, mais je me dis que si je prends noir, j'aurais dû faire noir en fait. Donc non. Je vais prendre ce que j'ai pris tout à l'heure. Pour finir, donc je vais prendre du papier comme ça. Alors ça va pas aller. Je vais prendre si les couleurs vont. Toujours pareil. Quand même que le papier aille avec le papier que j'ai là. C'est pas évident. Celui-ci que j'aimais bien. On va partir pour celui-là. Donc, je vais couper mon papier. Donc là, vu que ça fait 30 sur 15, en fait, je vais juste le couper en deux. Comme ça, j'aurai une partie pour devant et une partie pour derrière. Il n'y aura pas de gâchis comme ça. Donc, je vais faire 15. Je coupe en deux. On va voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, ça va me donner ça. Donc, nickel. Et derrière, ça va faire pareil. Alors, c'est parti. On va coller. Donc, déjà, pour commencer, notre cardstock dessus. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, on essaye de se centrer quand même, parce que c'est la couverture. Bon, après, on peut toujours tricher en mettant des décos, des choses comme ça dessus. Donc, il n'y a pas de souci, mais bon, on essaie de se centrer quand même. Je crois que mon papier n'est pas coupé droit, de toute façon. Enfin, si, si. Donc, là où c'est pas coupé droit, je vais le mettre là. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est la fatigue. Depuis 5h30 ce matin. Alors, hop, et on va coller. De toute façon, après, je vais mettre. Donc voilà. Donc nos fonds déjà sont mis. Donc ça, bon, soit je le mets. Voilà, je le mets comme ça. Ouais, comme ça peut être pas mal.
Il y avait quoi avec ça là? Il proposait quoi avec ça? Problème, c'est que à la base, pour faire des cartes, mais si on met ça en fond, enfin, après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et qu'on met une grosse fleur dessus, voilà, sur la carte comme ça, voilà, je vois pas l'intérêt. Il y a des grosses fleurs. Après, on voit plus rien, quoi. Alors après, il y a ça, mais ça peut aller derrière. Et après, j'ai encore des grosses fleurs, quoi. Et comment vous dire que je sais qu'il faut mettre des fleurs, mais bon. Voilà, quoi. C'est un. J'aimais bien cette carte, mais je vais la garder comme ça. Bon, déjà, je vais venir. Alors, je vais déjà venir ancrer ça. Ouais, moi, je vais mettre dans l'encre, en plein dedans. Donc, je vais déjà venir ancrer. Donc, cette petite carte là, je vais venir la poler déjà, voir ce que ça donne et voir après comment je peux me la jouer autour. Donc, vous allez me dire oui, mais pourquoi elle colle pas des trucs et tout? Parce que là, en fait, je voulais faire l'album aussi qu'avec ce kit, voir si j'allais réussir à faire un album complet qu'avec le kit et sans forcément avoir autre chose avec. Donc là, voilà, je le colle volontairement de travers. Je vais couper en fait ce qui dépasse. Voilà. Et je vais noircir maintenant le tour de l'album aussi. Comme j'ai fait en fait depuis tout à l'heure pour l'intérieur. Donc là, ça sert à rien de noircir, ça va être caché. Voilà, donc là, je suis en train de défaire les petits trucs qu'il peut y avoir. Après, bon, bah, il y a des fleurs, des grosses fleurs. Mais... Après, je trouve que trop de fleurs tue la fleur. Mais bon, c'est un album Shabby Betty. Ok, voilà. Le petit papillon, ça fait trop. Ça m'inspire pas là. Donc, j'ai déjà collé ça derrière. Ça m'inspire pas du tout le. La couverture m'inspire pas du tout. J'aurais peut-être dû partir sur un truc neutre et mettre des fleurs. Donc là, par contre, je vais pas la couler de travers. Je vais la couler droite. Comme ça. Voilà. Là, je vais marquer pour. Voilà. Je marquerai le nom de la personne en fait derrière. Que si elle regarde cette vidéo, je pense qu'elle se reconnaîtra. Voilà. Donc, derrière, par contre, je peux peut-être essayer de caler une fleur.
Là, je peux caler celle-là comme ça, sans toujours écrire là. Mais alors le devant, voilà, ça y est, je sèche en fait. J'ai pour le devant, je sèche vraiment beaucoup. Je trouve que ce papier-là, en fait, juste la page comme ça, ça suffit. Donc, du coup, je sèche. Mais voilà, là, je pourrais y mettre. Il n'y a pas de petites fleurs, quoi. C'est que des gros trucs. Donc, comment vous dire? Ah, si, il y a ça, et puis à la rose, comme ça. Alors, là, il y a un. Alors, ce que je comprends pas, c'est que voilà, là, il y a un With Love qui est pas mal. Mais franchement, au niveau de la couleur, quoi. Vous voyez, autant ils ont fait des belles couleurs et tout, mais voilà, ça va pas du tout avec, avec les autres papiers, quoi. Autant il y a des trucs sympas, autant il y a des trucs je vois pas le rapport. Après, c'est peut-être moi, hein. Non, mais quoi que là, ils donnent des idées de cartes, en fait, comment on peut placer. Alors, ils ont fait comment pour... Ah oui, bah, c'est ça, en fait. Vous voyez, la rose en fait, vous avez le papier, enfin, je sais pas si vous allez voir, et ils ont mis la rose dessus, d'où l'intérêt. On voit plus rien. N'importe quoi, je vous jure. N'importe quoi. Donc là, je vais venir coller ma rose là, déjà, elle, c'est sûr. J'aime beaucoup la couleur et tout qu'elle a. Ça, c'est sûr, elle va aller ici. Cette petite rose. Là, j'avais ce cœur là qui était pas, plutôt pas mal. Je vais venir mettre là. Qui reste dans les tons. Mais je vais pas venir coller la grosse fleur. Je vois pas l'intérêt de venir coller moi. Enfin, bref. C'est peut-être mon avis à moi. Hein. Après. Alors, dès qu'il va prendre ça. Tadam. Ma dentelle fétiche. Donc je vais venir coller de la dentelle, bien sûr, ici, par là, avec des fleurs, justement. Voilà. Comme ça. Je vais venir la caler à peu près comme ça. Comme ça va me faire ma petite bordure, mon petit. Donc je vais couper par là. J'espère qu'ils vont refaire de la dentelle plastique comme ça, je vous jure. C'est vraiment top. Alors, là, je viens de capter aussi. Il n'y a pas de fermeture. Je n'ai pas fait de fermeture. Je n'ai pas mis de ruban. J'aurais pu mettre un ruban là et un ruban ici pour pouvoir fermer mon album. Mais finalement, non. Enfin, je vois pas l'intérêt. Voilà. Alors là, je vais essayer de mettre mon double face dessus. Là, je suis en pleine, j'allais dire en pleine déconcentration, en pleine concentration pour couper sans trop abîmer mes ciseaux parce que j'en ai tué je sais pas combien comme ça. Alors je sais, il y a l'acétone, il y a le ci, il y a le là, mais au bout d'un moment les ciseaux, même avec l'acétone et tout, ils coupent plein. Voilà, c'est parti, on va enlever notre double face. Et on va essayer de venir se caler tranquillement. Voilà. Voilà.
Donc là, on découpe bien sûr le surplus qui dépasse de notre album, hein, au niveau de la... Hop. Voilà. Tac. Et donc ça nous donne... moi j'aime vraiment beaucoup. Ça fait simple en finition, mais voilà, ça rend bien. Après oui, le scotch double face dessous, il est blanc. Mais franchement, regardez, ça choque pas du tout plus que ça. Le scotch blanc qu'il y a dessous. Donc là après on peut venir coller une petite fleur ou un petit truc si on veut ou un petit papillon. Mais là il est pas beau. Et j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus rien du kit quoi. Après j'ai d'autres trucs, mais non là j'avais vraiment envie d'utiliser tout le kit. Là je crois que j'ai utilisé tout le kit. Il reste de quoi faire une carte pour envoyer avec l'album. Même deux cartes même. Mais ouais, j'ai plus rien. J'ai des grosses fleurs. Peut-être je vais voir ce que ça donne la fleur. Mais ça va faire trop rouge peut-être. Si je la. Alors je cherche voilà, mon doigt. Il est où mon doigt? J'ai une mouche, vous pouvez aller, elle est sur moi quoi. Je vais essayer de la noircir un peu la rose en fait, hein, pour qu'elle soit un peu moins rouge, un peu moins vive, voilà, que là j'en avais mis une là, là j'aurais pu en mettre une là, non. Non, 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 ça veut pas, hein. Donc oui, là, j'essaie de mettre des trucs de déco qui sont pas forcément du kit. Pour quand même égayer voilà l'album hein. Il faut quand même un peu de strass, un petit peu de petites choses comme ça. Avoir mis les strass que je voulais là-bas, mais non, ils sont ici. Là, je vous dis que vivement que j'aille me coucher. Je kiffe Action. On est champion du monde, on le sait. Hein. Si on ne le sait pas, c'est vraiment qu'on a un petit souci. Bon, là, c'est sûr, ça part moins bien. Donc, d'habitude, je mets pas de colle, mais là, vu que c'est vraiment pour offrir avec son album. Je mets de la colle parce que j'aimerais que dans le temps quand même mes petits strass et tout ça ça tienne quoi. Donc du coup je rajoute de la colle que ce soit là, là. Voilà, j'ai envie que ça tienne dans le temps quoi. C'est pas une carte. C'est un truc que si jamais vraiment elle veut mettre des photos dedans, elle va l'ouvrir, elle va le refermer. Donc je veux quand même que ça tienne. Voilà. N'importe quoi, petit écrac. Là, il me manque quelque chose, je sais pas quoi.
Mais il me manque quelque chose là. Là, je sais pas. J'aurais mieux mettre un. Je sais pas. Là, j'aurais mieux mettre quelque chose. Alors, si je le pourris avec mes doigts tout crado. Je sais pas. Ouais. Bon, si je trouve, je mettrai plus tard. C'est pas grave. Avant de l'envoyer. Là, je vous dis. Je vais mettre Scrap Suite ici et je vais marquer pour voilà et pour et je vais signer en fait là je signerai Scrap Suite voilà donc j'espère que bah, cet album lui plaira et puis voilà donc j'espère qu'il vous aura plu aussi hein. Je commence à être fatiguée ça s'entend j'ai fait 3 heures de vidéo presque et donc voilà je suis plutôt contente du résultat malgré que j'aime pas le chabi donc j'espère qu'il sera assez chabi à son goût donc j'espère avoir relevé le défi voilà c'est un défi de faire un album chabi donc j'espère que j'aurai relevé ce défi voilà ben sur ce ben je vous laisse la team n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur ce ben je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo salut salut ciao.